Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, on charme les sabots, ça coupe parpaing, grosse cette crasse. Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un fucking gameplay à la K47 en or les gars. Là, une vraie AK, c'était pas une AK de PD ça à l'époque. Une vraie AK47 sur God 4 les gars, vous le savez. Mon jeu, mon coup de cœur. Celui où, voilà, celui qui m'a donné envie de me lancer sur ces séries de Call of Duty. Vous allez voir un sacré accueil, en plus je me tape. Là, il n'y a pas de RB ni de matchmaking adapté à votre niveau. Vous prenez direct 3 croix d'or, je me prends. Niveau 55 bloqué, je pense que c'était une fausse croix d'or, on va dire. Et un niveau 52, un petit niveau 9. Et vous allez voir que Tonton, un match à mort par équipe, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué à Code 4. Et honnêtement, il s'est déchaîné. Match à mort sur la map Assassinat, la fameuse map du bateau, très connue. Je pense que pas forcément tous mes abonnés connaissent ce jeu, donc ils connaissent cette map. C'est la particularité de cette map. Ben voilà, c'était sur un bateau de guerre et voilà, tu partais d'un côté, les autres ils partaient de l'autre et obligé avec contact au milieu quoi, tu vois, c'était des maps simples, parce qu'on demandait dans Call of Duty à l'époque, des maps simples, tu balançais 2-3 grenades et tu allais au contact, tu allais au charbon. Donc aujourd'hui, fucking gameplay AK-47 en or les gars, Code 4, Tonton R représente son Code 4, franchement ça fait plaisir. Je suis un petit peu malade aujourd'hui, je vous ai fait un gros effort hein, parce que j'ai débouché, j'ai mal à la gorge, j'ai la fièvre, je suis dans un sale état. Mais je me suis dit, Code 4, ça m'a motivé. Je me suis dit, là, les abonnés, ils n'ont pas eu de vidéo depuis samedi. Comme je le répète, mes vidéos, c'est tous les mercredis et samedi. Donc je me suis dit, si je leur fais pas une mercredi, ça va faire sauter d'une semaine. My god, c'est trop, non. Là, obligé de, même avec un peu le débouché, la fièvre et tout. Oh, ça me bat les couilles, Tonton est là. Il vous fait le commentary, en plus je vous dis AK-47 et tout, petit Beretta et tout, franchement voilà, bon gameplay. J'espère que vous allez mettre un max de likes, on va parler d'un sujet assez sensible, donc déjà, au pire, vous fiez pas au sujet. J'espère vraiment que vous allez liker ce gameplay parce que, voilà, Code 4 ça fait plaisir, et Tonton quand je vois que du Code 4 c'est liké et tout, ben ça me met un coup, ça me plaît, c'est la base, c'est ma référence Code 4, voilà, Tonton, quand tu dis Tonton, c'est Code 4, c'est comme ça. Petite MP44, ouais. C'était pas mal celle-là aussi à l'époque. Elle était plus dure à manier, mais. Bref, voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible. J'ai eu pas mal de discussions en fait avec des abonnés par rapport à ma dernière vidéo, vous savez, où j'ai. J'avais parlé qu'il y avait un abonné qui m'avait proposé de m'offrir le Season Pass et tout sur Advanced Warfare et que j'avais pas eu trop de nouvelles, et du coup, j'ai eu une réaction inattendue de pas mal d'abonnés sur Facebook. Qui m'ont dit, bah Tonton, nous, parce que ton PayPal, machin, on te file un euro, 2 euros, même 5, même 10 centimes chacun, en 2-2, tu auras ton season pass. Et je vous avoue que il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo par rapport aux dons. Et moi, j'avais trouvé ça un peu anormal, par rapport, surtout. Putain, j'ai débouché, c'est chiant. Par rapport aux gros youtubeurs et tout, j'avoue que bon, moi, c'est pas avec les 30-40 euros que je gagne par mois sur YouTube. Que c'est sûr que c'est pas une fortune non plus par rapport au travail que je fournis, par rapport au nombre de heures de jeu que je joue, ben tout quoi, les commentaires, les rendus, créer des miniatures, bref, je suis pas là aujourd'hui pour défendre mon salaire, c'était juste pour vous dire en fait que je me suis un peu laissé aller on va dire, et je tiens à faire une grosse dédicace à un abonné, je vais dire son nom parce que je me rappelle plus, attendez, je l'ai marqué parce que j'ai reçu j'ai donné mon PayPal et écoutez moi j'ai une surprise hein. Mais incroyable, je me suis dit c'est pas possible. Ah putain, j'ai plus son nom. Attendez, je vais vite. Non, je peux pas le retrouver. Bref, je mettrai une annotation. Au pire, je mettrai son nom après le commentary. Il m'a envoyé 30 euros en PayPal. Gros. 30 euros, j'ai dit t'es un fou. J'ai dit vous êtes des fous. Et il m'a répondu une phrase simple. Tonton, franchement, tu le mérites. Ça me fait plaisir. Prends-les, achète-toi le season pass, ce que tu veux. Tu mérites d'avoir de. Voilà, donc franchement, ça m'a touché un petit peu, ça m'a fait énormément plaisir. Et en même temps, je me sens un peu gêné quand même, parce que 30 euros, ça fait beaucoup. Mais après, je regarde dans le passé que je me suis dit, je sais pas si vous avez connu un MRP quand il a eu son problème de logiciel, d'ordinateur, tout ça.
Ben moi j'ai filé 50€ de PayPal, c'était équivalent à 3 mois de YouTube pour moi à l'époque, quand j'ai donné 50€, voire 3-4 mois à l'époque, je veux dire. Ben, il y avait Zekiri aussi qui avait fait des dons pour des demandes pour son ordinateur, ben j'avais participé aussi. Donc après je me dis voilà, je vous dis la vérité honnêtement, en ce moment j'ai pas trop d'argent. Et, j'ai mon abonnement à l'année là qui bientôt finit. Donc j'aurai encore 50€ pour m'abonner à l'année à internet, 50€ de season pass, ça fait déjà 100€. Après, il y a aussi une option. En fait, j'ai envie de vous proposer. Je me suis dit, pourquoi pas, t'as proposer d'autres jeux. Mais c'est toujours pareil, parce que tout le monde me dit, pourquoi tu proposes pas d'autres jeux, du GTA, du FIFA. Ben, tout simplement pourquoi, les gars. Parce que c'est 70€ le jeu. Si j'achète deux jeux, ça fait 140€. Ça fait déjà plus que mon abonnement internet et le season pass. Vous voyez, je veux dire, pour peut-être un jeu que je vais pas forcément jouer tous les jours. Et ça se trouve, ça va pas vous plaire. Alors, la question, elle est simple aujourd'hui. Ben, je vais vous dire la vérité. J'ai décidé de plus refuser les dons et je me suis dit pourquoi pas, même si chacun met 1 centime, au pire même si ça fait 10 balles, c'est toujours 10 balles de gagner sur 30 000 abonnés, 33 000 abonnés bientôt, je pense que la personne qui va mettre, certes, je vous en voudrais pas, ceux qui mettent là, qui mettent pas, ne mettez pas, c'est pas un problème et moi je force personne, je suis pas là pour dire tu es un abonné, il faut que tu mettes 1€ dedans. Tranquille, moi j'ai juste à dire que la seule différence avec avant, c'est que je mettrai mon PayPal dans la description de la vidéo. Il sera en dessous, vous savez, quand vous cliquez sur la description de la vidéo, il y a le lien Facebook, Twitter. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Facebook aussi. Il y aura le lien PayPal en dessous. Après, je vous dis franchement, voilà, j'ai déjà eu 30€ d'une personne, plus j'ai eu 2€ d'une personne, 1€, 1€, 50 centimes, encore 50 centimes, je crois. Enfin bref, voilà, je suis déjà presque à 35€ et franchement ça fait plaisir, je vous dis la vérité, c'est pour moi c'est un petit, ça fait trop plaisir quoi, parce que tu vois, tu te dis, j'ai vu que par exemple le GameX13, leur abonné leur a acheté une manette, tu vois, par exemple, leur a acheté une manette, je parlais avec d'autres youtubeurs, genre Ciso, Dakes, tout ça, enfin voilà, c'est des youtubeurs, par exemple, il y a des abonnés, ils leur ont offert des jeux et franchement voilà, je me suis dit pourquoi toi tu es con, t'as qu'à faire comme tout le monde hein, parce que y en a qui, franchement voilà, cet abonné qui m'a donné 30€, je l'ai pas forcé, il m'a dit ouais toi ça me fait plaisir, tiens prends les, il m'a dit voilà, et j'ai dit là 30€ tu es fou et tout, il m'a dit donne-moi ton adresse et boum, il m'a envoyé 30€ et franchement ça fait plaisir parce que je les garde de côté. J'ai fini pour 37 pour 10 les gars, un sacré massacre en match à mort par équipe, donc je fais la moitié des kills tout seul. J'espère que ce gameplay vous aura plu. Donc pour le sujet de la vidéo, en fait je vous pose deux questions. Est-ce que vous pensez... Mais ne soyez pas agressifs forcément, ceux qui sont contre, ne soyez pas agressifs dans les commentaires. Pas forcément obligé de disliker la vidéo pour ça, moi je veux juste avoir votre avis. Marquez-moi vraiment votre avis. Est-ce que ça vous gêne que je laisse une adresse PayPal au cas où pour des dons? Pourquoi pas vous présenter de nouveaux jeux, pour continuer avec des packs, de nouvelles packs de maps sur Advanced Warfare. Est-ce que vous pensez que c'est pas bien? Est-ce que vous pensez que c'est bien? C'est quoi que je voulais vous dire aussi? Ouais, est-ce que vous aimeriez me voir sur de nouveaux jeux en fait? Pourquoi pas faire de temps en temps du Battlefield, du FIFA, du GTA. Donc en fait je verrai en fonction des moyens que j'aurai par rapport à ces petits versements, ces petits dons, pourquoi pas la possibilité, plus mon petit salaire YouTube aussi, pourquoi pas la possibilité d'acheter de nouveaux jeux. Pour ceux qui ont des doutes sur mon salaire YouTube, vous avez une vidéo dans la playlist Black Ops 2, le 107.1 au SMR sur Turbine, et la vignette c'est marqué mon salaire YouTube, vous verrez combien je gagne par mois. Je suis loin de gagner des 700, des 800€ comme certains ou 1000€. Je suis à entre 15 et 45-50€ maximum par mois quand un jeu sort. Voilà, donc je suis pas là pour faire la quête. Je suis juste là pour dire que voilà, en fait, je fais comme tout le monde, je paye mon lien PayPal. Et il faut dire un truc aussi, c'est que dans les autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, il y a une case qui est en fait on peut donner directement des dons à vos youtubeurs préférés. En France c'est pas autorisé encore, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le lien dans la description et de vous en parler, parce que Tonton il est honnête, je vous dis la vérité, voilà. Donc c'est comme vous voulez, j'espère qu'en tout cas
Le gameplay vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre like parce que code 4 ça fait plaisir pour Toto. J'espère que j'irai mieux d'ici samedi parce que là j'ai le nez bouché, je suis pété. Sinon, on se retrouve samedi sûrement pour une fucking nucléaire sur Advanced Warfare. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et rendez-vous samedi. Allez, ciao les gars!